Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Dust. Et sans plus attendre, on va retrouver notre petite tribu de primitifs et on va continuer l'histoire. Nous étions donc à Embrasement. Ok. Ah, j'avais pas vu qu'en fait là on avait réussi à tout palmériser là aussi. Bon, je vais refaire réinitialiser. Je sais plus. Bon, je vais faire ça. Et on est parti pour le nouvel épisode de From Dust. J'ai jamais vu les picots comme ça. Ah non, c'est une nouvelle anime là, je trouve. Embrasement. Oh là là, oh là 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 là. Il y a du feu. Roma America. Bébé rapa, mais nang na fa kushoma. Les putains là, ils d'ailleurs magi. Aoulo zamani, t'es là, mais n'attends kushoma. Kitara Bermula Laji. J'ai quatre dacte nangro. Beraki. Oh my god! L'arbre à feu peut être très dangereux pour vos villages. Il enflamme, c'est un tout dans un régulier. L'arbre à eau placé à proximité livre. L'arbre à feu a aussi son utilité. Pendant qu'il chauffe, il évapore l'eau qui passe à proximité. Ouais! Ça, c'est quoi? C'est un... Qu'est-ce que c'est? J'ai peur! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller ici. Oh, la vache. Bon. Des hommes ont été appelés. Il faut éteindre le feu. Bah. Bah, c'est arrêté. Ah non, ça y est, ça a pris feu. Oh là. J'ai pas compris hein, ce qu'il fallait faire. C'est quelle plante? Les arbres à eau, ça doit être ça. Les arbres à feu. Hein, je sais pas trop. Bon alors mes petits. C'est flippant. Allez. Ah, par contre, le ciel étoilé est magnifique. Et Karibatou. Ok. J'ai pas compris c'était quoi ces trucs-là. Ah, c'est un arbre à eau. Vous êtes toujours d'un point de vue. Éteindre le feu permet d'étouffer les flammes sur la totalité de la carte pendant un temps limité. C'est 4, d'accord. Et ça, c'est un arbre à eau. Éteindre le feu vous permet d'éteindre les incendies sur toute l'étendue du territoire. Ok, j'ai compris. Checkez-le. Voilà, va ça. Vois ça. Voici l'arbre à eau. Il absorbe l'eau par ses racines et produit un geyser en cas de trop plein. À l'approche du feu ou de la lave, il se protège en recrachant son eau. Il constitue un barrage efficace contre le feu. Vous pouvez maintenant déplacer les arbres à eau. Oh, placez-vous au-dessus d'un arbre à eau et appuyez sur bouton gauche assez longtemps pour l'arracher. Pour le replanter, appuyez sur le bouton droit. D'accord. D'accord. Arrachez à l'arbre à eau avec ça. Puis, évitez les incendies sur votre village à l'emplacement indiqué. Pour le replanter, appuyez sur... Ouais, d'accord. Mais ils sont où les incendies? Ça c'est quoi ça? J'ai pas compris moi. Je vais le mettre là. Comme ça s'il est en hauteur... Non? Je sais pas. Je vais le mettre là. Celui-là, il est bien. En fait, c'est ça, c'est un arbre à feu. Oh. Ah, vous voyez. Ah, mais il y a plein d'autres trucs. Ah ouais, parce qu'après, ici, il y aura un village là. D'accord. Ah! Ah ouais! C'est pratique comme truc. Et ça pousse dans tous les sens, hein, ces trucs-là. Ok, donc je vais déjà en planter un là.
Mais du coup, il est tout dégonflé. Oh, bah zut. Merde! Qu'est-ce que c'est fait? Oh, je vous jure. Ah, vous voyez, celui-là, il fonctionne. Ça a éteint le feu ici. Oui, parce que... D'accord. Ok. Ah, ça y est. Non, je voulais te prendre. Viens là, mon coco. Voilà. Et là, j'ai les trois qui... Ok, ça. Et donc, je vais essayer de protéger aussi par ici. Mais je crois que j'en ai tué un d'arbre à haut déjà. Tiens, viens là toi. Mais non, qu'est-ce que c'est foutu? J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Mais qu'est-ce que tu fous là toi? Tu te balades toute seule comme ça dans la life Très bien. Bon, alors, je pense que c'est bon. Nous allons donc... Là c'est automatique, il le fait, c'est parfait. Ah non mais c'est chaud quand même. Vous pouvez venir là, figer l'eau. Voici le totem du lion, appuyez sur espace pour voir si la zone est viable afin d'installer un village. Ok. Sauf que faut faire attention, il y a encore... Là il y en a deux là. Sauf que, vous savez, en fait, comme je vois pas où je fais la souris, je peux pas dire où est-ce que je prends, en fait, si je prends du sable, de l'eau, quoi. Disons que là, ils sont plutôt protégés parce qu'ils sont en hauteur. Mais ici... Ça, c'est quoi? Évaporé. Ah, c'est le fameux évaporé. T'as figé l'eau ici, d'accord. Ah. J'ai peut-être été trop vite sur ce coup-là. Ah! Nous avons trouvé un endroit sur celle de notre village. Déplacer les villages en appuyant sur espace sur le totem, puis en déplaçant son fantôme à l'endroit indiqué. Ah oui! Ce sera mieux, ouais. Ce sera mieux. Alors, j'appuie sur espace. Ce sera beaucoup mieux en hauteur, les enfants. Vous avez bien raison. Bah oui, je sais qu'il y a de l'eau. J'étais en train de vider, les enfants. Dans le bruissement des arbres, du vent et des herbes, le chaman a décelé les voies des anciens. Vous avez étendu les palmiers sur la moitié du territoire et vous avez découvert un nouveau compte de la mer tribale. Très bien. Voilà. Mais du coup, ils sont montés, hein, on est ok. Alors, maintenant, je vais déplacer ça. On va le mettre là. Ah, vous voyez, moi je vois pas où je mets la souris pour choper celui-là. Là. Mettre là. On craint moins de choses, hein, parce que bon. Il y a ça aussi, évaporé. Là, on a des arbres. Là, on a des grosses boules, là. Ouais, non, mais moi, je vais en mettre un peu partout. Hein. Sait-on jamais. Voilà. Comme ça, ils seront un peu safe. Oh là là. Là, ils sont bien, bien safe. Ici, on est OP. D'accord. Donc maintenant, je dois faire ça, évaporer.
On va appeler les hommes. Ah mais non. Ah non, attendez. Faut que je prenne une bonbonne là. C'est pour ça qu'ils en ont disposé pas mal, je pense. Et comme... Ouais, on va faire ça comme ça. On va créer un espèce de passage quand même. Pour qu'il soit plutôt safe pour aller jusque là. What? Ah merde! Merde! J'ai pas bien placé mes bonbonnes! Mais... Oh non! Ils sont mourus! Mais pourtant j'en avais mis 3 et tout! Oh! Faut que je recommence. Bon, ils arrivent là, ils se sont pas fait cramer le cul, c'est déjà pas mal. En fait, c'est assez compliqué à se diriger et à voir ce qu'on prend en fait. Allez, moi je vais plutôt les mettre, je sais pas. Voilà. Ok. On a chopé le pouvoir. Là, il faut que je le recommence en fait. On a chopé le pouvoir d'évaporer. Édifier un village sur ce totem vous permettra de déplacer des arbres à feu. Ah! Oh la vache, mais celui-là, il est entouré. L'arbre à eau se gorge d'eau. Oui, ça, je savais. My god! Bon, il faut que je recommence ici. Par contre. Parce que on s'est un peu gouragé. Je me suis un peu plantouillé. Ah, là, j'ai encore des bonbonnes, des arbres à eau. Lui, du coup, je vais le foutre. J'en foutre un là. Mais j'espère que je me trompe pas, parce que c'est un peu... je sais pas trop d'où ils viennent. Je vais le mettre là, en haut. Parce que ça vient prendre l'eau, le feu ici, en fait. Là, ça crame tout seul. Je vais essayer si en foutant de l'eau... Ouais. Ouais. D'ailleurs toi, du coup, tu me sers plus à grand chose. Je vais te cueillir. Et je vais te mettre là. Parce qu'après, de ce côté-là, il y a encore une menace. Oh, le passage, il est là. Alors, pour accéder à cette île, on est au P. Ici, il recrée le village, on est bien. Ah non, il faut déjà que j'aille là-bas. Ah ouais, et c'est vrai que je peux faire taire tous les feux. Assez bon, assez facilement avec la touche 4. D'accord, il faut pas que j'oublie de faire... Je sais pas, je me dis qu'ils vont peut-être pas arriver à escalader. Mais il va falloir qu'on aille là. Mais non! Qu'est-ce que... Ils se sont cramés le cul, mais... Oh là là! Je suis en train de tout perdre. Oh en fait... Il y en a pas assez. Je vais prendre ceux d'ici. Ah ouais, parce que là, c'est pas possible. Hein. C'est dangereux! Je sais pas, je fais de la merde! Toi, là, la bonbonne, là. J'arrive pas à viser. Ça y est, je l'ai. Ouais, parce que en fait, ça vient là. Là-bas, c'est menacé aussi.
Mais ces trois-là, ils gèrent vachement bien, donc pour l'instant, on est bien. Bon, on a repeuplé ici. Là, il m'en manque clairement. Attends, on va prendre lui. Si j'arrive à choper, je vais le mettre là. Ouais, c'est encore à menacer, hein. C'est un truc de fou, hein. Mais c'est super bien quand même, parce que... Voilà, ça nous apprend à... Vous voyez, c'est la galère, hein, je galère. Mais quoi? C'est lui? Mais non! Mais vous inquiétez pas, les mecs, hein. Vous êtes au sec. Tout se passe bien. Par contre, il y a ce truc-là, là. Je sais pas ce que c'est. Donc, est-ce que je peux aller voir? Ouais, on va voir ça. C'est peut-être le truc pour... Ouais. Peut-être pour le truc pour justement éteindre les flammes, là, je sais plus. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, j'essaie de voir si j'ai bien géré. Parce que là, bon, mes villages... Ça a l'air d'aller, non? Par contre, de ce côté-là, il n'y a rien. Donc je vais reprendre une bonbonne. Eh, mais ça a poussé de ouf, ici. Je vais reprendre... Ah, cette bonbonne-là. Je vais la mettre là. Par sécurité. J'en ai plus de bonbonnes. J'ai fait le tour de l'île. Touloulou-toutou. Ouais, j'en ai plus. Et limite, faudrait que je reprenne encore du premier village. Lui, il a jamais eu de soucis, hein. Voilà, ouais. Attendez, je vais en prendre une là. Je vais la poser ici. Ouais, on va voir si avec une seule, ils s'en sortent. Non. Ah, si. Oh la vache. Je vais la mettre là. C'est chaud, chaud, chaud les marrons. Je vais quand même en reposter une ici en hauteur. Et je vais rappeler les mecs pour qu'ils reviennent peupler ici. Et pour qu'ils passent sains et saufs, je vais moi-même éteindre le feu. Ouais. Mah. Mais quoi? Mais c'est bon! Aidez-moi. Mais en fait, ici, c'est pas assez en hauteur, je crois. Limite, faudrait que... Que je ravine un peu le truc, quoi. Pour lui rajouter de la hauteur. Parce que moi, j'ai l'impression que le feu, il monte très 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 vite. Je suis en train de perdre tous mes villageois, quoi. Je viens de figer l'eau. Ah ouais, mais ça marche pas pour tout. Il faut que je mette une bonbonne en plein ici, là, plein milieu.
C'est hyper chiant ici, c'est très très chaud pour éteindre le feu en fait. Parce que du coup, ils sont que deux, hein. J'ai plus assez de mecs, je les aurais tous tués. Vous avez tendu les palmiers, cool. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, c'est bon. Ils vont quand même y arriver, les gars. On va reconstruire un village. C'est le plus chaud ici pour l'instant, hein, la vache. Ouh! Mais non! Vous êtes nickel! Le village s'est reconstruit! Oh la vache, c'est quand même chaud, hein! C'est qu'à de le dire, hein! Bon, alors, et on va peut-être y retourner, parce que j'ai perdu deux villages d'un seul coup. Au village là. Totem du loup. Est-ce que, du coup... Non, j'ai... Ah non, j'appuie sur F4, qu'est-ce que je fais comme connerie? Éteindre le feu. Ah si, je l'ai déjà acquis. Viendez mes enfants. Ils peuvent pas. En fait, ok, j'appuie sur X. Je peux aller voir mes villages? Ils sont bien. Ici, c'est vraiment clairement le plus chaud, quoi. Alors, on va construire un pont. Sur le pont d'Avignon, on y danse. Et ben, sur le pont de From Dust, on s'y crame les fesses. Parce que pour aller là... Comment? En fait, oh là là, mais je. C'est ici? C'est non, c'est non non, c'est le, c'est tête pointue, c'est ici qui gueule. Parce qu'ils sont inondés. Mais allez, mes gars, vous voyez, vous êtes mis quand même votre maison là. Elle tient pas la route, hein. Je suis obligée de vous mouiller le cul. Oh, je bègue tellement j'arrive pas à parler. Hop. Mais j'arrive pas à faire un pont, hein. Ça va être compliqué pour faire un pont, vous pensez pas? Faut que je prenne tout. Oh là là, mais ouais, est-ce que ça bouffe tout? Ah mais je suis bête, moi. C'est pourquoi? Vous savez pourquoi? Vite fait de faire Ah, c'est le bord de la map. Enfin, j'ai plus vite fait. Façon de parler, hein. Parce que bon, c'est un truc fermé. Bon, on en a pour 2-3 heures. Je suis désolée. Je fais peut-être complètement de la merde. Mais je sais pas comment faire, en fait. Est-ce que je peux éteindre tous les feux en même temps? Sauf que pour les guider ici, je suis obligée de... Je suis obligée de faire un pont, en fait. Parce que quand pour les appeler, ils allaient au milieu, ils allaient pas sur les côtés. On va apprendre tout ce qui se passe.
On y arrive. Désolé les gastéropodes là, ou je sais pas quoi. Je suis au max. Bon. On va encore prendre un peu ici. Pour l'instant, il crie plus trop. Mais j'arrive pas à faire ça. Ah non, non, mais quand même, c'est une vraie galère. Juste pour une petite bande de sable comme ça, là. Ouais, je suis sur le bord de la map, là, donc ça galère à... je suis sûre que je fais pas du tout comme il faut faire, mais bon... Je vois pas trop... comment je peux faire. On y arrive, petit à petit, le pont fait son nid. Allez, j'y suis presque là. Finalement, ça va plus vite de faire un pont que d'essayer de le... Comment dire ? De créer... de vider la piscine, quoi. J'ai l'impression que dès que je remets de l'eau ici, ça retourne dans le bassin. Bon. On va encore reprendre du sable. Pour l'instant, ils gueulent plus depuis un moment, hein, les petits, là. Ils ont l'air contents, hein. Oh non, là-bas, ça a cramé de ouf, hein. Ouais. Arracher un arbre à eau avec... Oui, je sais. Non, mon village! Mais pourquoi? Oh, mais j'en ai marre, moi. Mais je l'avais mis, moi. Oh. Oh, ça me casse les burnes, hein, au bout d'un moment. Et puis là, mon truc, il est presque fini. Regardez. Ils vont pouvoir passer. Youhou! Mais non, bah alors je comprends pas, moi c'est que ici c'était nickel. Ils étaient bien protégés et maintenant ils peuvent plus quoi. Il y en avait trois ici qui protégeaient nickel. Ah non, punaise, sérieux? Bah non, ils sont là. Non, ça va. Je vous jure. C'est compliqué. Eux, c'est bon. Mais oui, mais en fait, il en manque un. Et là, ça crame, hein. Donc, attends. Je vais prendre celui-là. Que je vais remettre ici. Parce que je sens qu'on va cramer par là. En fait, à moins que... Il n'y a plus du tout de... S'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. Enfin, je veux dire, ils attaquent pas, c'est ça. Ah ! Mon pont est encore debout. Et si vous venez là ? Oh mais fuck ! Mais c'est la tête pointue ! Mais vous êtes archi protégés, vous. Vous avez rien à craindre. Ça y est, il passe. Il passe. Et pendant ce temps, moi, je m'apprête à leur mettre un petit F4, là. Enfin, 4. Ils y arrivent. Cette mission est très compliquée. Et heureusement qu'elle n'est pas chronométrée, parce que... Là, je pourrais pas. Oui. Un petit 4. Dès qu'ils atteignent ici... Allez, regardez ce que ça commence à cramer.
Allez, éteindre le feu. Oh, c'est pas longtemps, hein, c'est 30 secondes. Hein. Je l'ai peut-être fait trop tôt. Mais non. Si, ça y est. Yes! L'arbre à feu est une plante phénix. Oui, je veux arracher et replanter les arbres à feu. Et cassez-vous. Attendez. Ah, mon Dieu. Ah non. Au secours. Ah non, mais je vais les foutre loin, moi, ces putains d'arbres à feu de mes couilles, là. Dans des contrées lointaines. Ouais, excuse-moi, je les vire. Tu peux pas attendre 2 minutes, non? C'est comme... Oh là là, puis comme je vois pas où est ma souris, je vous raconte pas. Je sais pas, je jauge pas, en fait. J'arrive pas à jauger si je suis bien ou pas. Je peux pas leur foutre dans l'eau. Si! Ah bah voilà! C'est encore plus simple. Allez! Adios, amigo! Voilà, on va tous les planter dans l'eau. Hein, vos arbres à con là. Je fais n'importe quoi. C'est marrant parce que l'eau elle s'évapore du coup. C'est la tête d'aiguille, c'est eux. Ouais, va dans l'eau toi. Voilà. Casse-toi. Hop. Ça fait des flammes dans l'eau en fait. Non, lui, je vais peut-être le bouger de là. Oh, le saligo. Va là-bas. Toi aussi, on va te foutre dans l'eau. Voilà. Oh là là. Oh, ici, ça crame. Il y en avait qu'un seul. Tiens, on va te mettre dans l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a ceux-là aussi. On va les foutre dans l'eau. On va les foutre dans l'eau. Ouais, oh, attendez. Hein. Faut pas rigoler avec moi. Hein. T'as qu'à casser mes villages. Ouais, moi, je te casse tout court. Ah, mais eux, là, ils... Ah, ouais. Ils ont asséché? Non. Bon, le portail est ouvert. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Les gars, on y va? Pendant que je suis en train de défaire des plantées, on dirait que j'aménage le truc pour les prochains. Ah ouais, regardez, ils sont là les arbres. Hein. Hop, ils iront cramer les fesses ailleurs. Ils sont dans l'eau. Voilà. Eh bien, nous aurons réussi cette mission. Difficilement, mais sûrement. Ah, les feuilles et tout comme ça, c'est superbe. Donc, nous sommes arrivés au portail. Waouh! Ah non, c'est super beau. Les feuilles comme ça, là, toutes les couleurs, c'est super beau. Et on va passer à la prochaine étape. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter. J'espère que cet épisode de From Dust vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message comme d'habitude pour savoir si ça vous a... ce que vous avez aimé ou pas. Hein. Mon replantage des arbres à feu dans l'eau, c'est très pratique, croyez-moi. En tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.